Honorable Assemblée, je vous salue. Quand je vous dis un dingilaye, vous répondez yesé. Alors ce jour-là, le lion est malade. Le roi lion est malade. Un jour, le lion malade. Aololohi. Fait venir tous les animaux. Aololohi. Pour leur demander la cause de sa maladie et le moyen de le guérir. Aololohio. La nouvelle part dans toute la forêt. Le lion est malade. Tous les animaux se rassemblent. Un à un, chacun vient lui dire ce qu'il pense, faire son diagnostic et proposer un traitement. C'est la grande girafe qui, de son long cou, ose d'abord s'avancer. Mon bon roi, moi je pense que si vous êtes malade, c'est peut-être que vous mangez trop de viande. Quoi? Moi, je mange trop de viande? Et là, l'Assemblée répond, non, 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 mon bon roi, tout le monde a peur. Le papillon ose avancer. Mon bon roi, moi, je pense que si vous êtes malade, c'est peut-être que vous mangez trop d'insectes. Moi, je mange trop d'insectes? Et l'Assemblée dit, non, 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 mon bon. Et là, ose enfin s'avancer, celle que vous connaissez maintenant. La baronne au train arrière, surbaissée, la hyène, qui sent mauvais et qui part du nez comme ça. Elle dit, mon bon roi, moi je pense que si tu es malade, c'est parce que tu es trop vieux. Il faut que tu laisses la place aux jeunes. Maintenant, tu es un vieillard. Oh, moi, je suis un vieillard. Oui, il est bon que tu laisses la place aux jeunes. Mais approche, approche ici. Et tu vas voir si mon coup de poing est un coup de poing de vieillard. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est le lièvre. C'est le lièvre qui m'a dit de dire que tu es un vieillard. Ah, eh bien alors, allez donc chercher le lièvre qui l'ose me dire ici devant moi. Alors, lièvre, je suis un vieillard, moi? Mais non, pas du tout, mon bon roi. Mais pas du tout. La hyène, elle comprend rien du tout. J'ai dit que jadis, mon père avait soigné un très vieux lion et il l'avait guéri. Donc, moi, je suis allée dans la forêt chercher des herbes pour guérir mon bon roi. J'ai pris un peu de temps, c'est pour ça que je suis en retard. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour soigner notre jeune, notre bon roi. Ah, et alors, c'est quoi le traitement? Ben, le traitement, il est très simple. Il faut juste habiller notre roi avec la peau de la hyène pendant quelques jours. La fièvre va tomber et notre bon roi sera guéri. Ah! Eh bien, attrapez la hyène, apportez-moi sa peau. Et c'est ainsi que la pauvre hyène avait beau cri. Non, non, ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. On l'a quand même attrapé. On a récupéré sa peau. On a habillé le roi lion. À votre avis, est-ce que le roi lion a été guéri? Je vous laisse avec la question. Grand-mère disait toujours, tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler. Anguingilaye, yessé.